Et salut l'équipage, j'espère que vous allez bien, moi ça nickel. Aujourd'hui on se pose devant. Let's go, on y va, on va goûter, c'est le piston de mes choux. Et on y va, on croit. Là vous voyez où il y a le sandwich. C'est où Michou il a posé son gros fiacos de plein de gras. Non, je rigole bien sûr, mais c'est là où il y a eu des personnes qui se sont posées alors que moi je voulais habiter, me poser où qu'il y avait les fesses de Michou, je suis trop dégoûté. Let's go les gens, on a Milly, regardez-moi, cette bande, elle est stylée et tout. Voilà, Milly de Michou, let's go. Tu vas prendre quoi, Tomir? Moi je vais voir ce que je vais prendre, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a un truc allergène en haut et on peut choisir sur quoi on est allergique. C'est très intéressant. Yes, très 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 bien ça. Franchement non, je savais pas, mais c'est validé. Ok. Je vais aller prendre le dessert, s'il te plaît. Apparemment ça c'est hyper fort apparemment. Les autres tu connais pas, mais apparemment ça c'est bien Miami. Je sais pas. On coupe les collecteurs. Yes. Regardez, on peut modifier tout. Il y a juste peut-être le burger. Apparemment les gens ils ont dit que ça qu'on pouvait pas modifier. Sinon on peut tout modifier comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est génial. Voilà, meilleur ça, tous les cookies là, ils partent très rapidement de base. Ah ouais. Ah, regarde, le chocolat, il est voilà. Incroyable, il y en a quand même encore. Ok, donc on va manger tout ça. Donc là, on va commencer par le Dakar. Je jure que c'est une dinguerie. Le poulet il se marie vraiment bien avec la banane. J'ai l'impression qu'il y a une personne de l'autre avec. Ah ouais, il y a des petits goûts percés, ouais. Je gagne un bon 9 sur 10. Je vais faire sur 10, comme ça, tout le monde l'a fait sur 10, donc voilà. Oula, par contre, ça, je sais que c'est un goût. Merci. Par contre, il y a quelle heure, monsieur? Vous n'êtes pas pressé, hein? Je crois que c'est arrivé. T'as dit quelle heure? Je crois que c'est arrivé. Vous avez pas quelque chose à faire? J'ai pas trop à des toilettes, après. Non. Ah, là, c'est le Cancun, je crois. Non, c'est super. Ouais, là, c'est le Cancun. Je C'est dommage, je peux pas avoir une trop bonne qualité malheureusement. Non, c'est la position du portable. J'ai fait mon défi. En pleine vidéo. C'était de demander de l'heure deux fois. Ah, deux fois. Ouais. Meilleur, regarde. C'est même pas entre tout, c'est entre deux fois. Regarde. Regarde, tu peux regarder. Bah, je me l'ai pris. Je peux quoi? Bah, comme quoi, le défi s'est réalisé. Bon. Je vais faire un marché.
Donc là, vous avez la preuve dans la vidéo. Oula. Là, et là, on va goûter notre le Santa Monica. Incroyable. Petit peu aventure. Oups. Ah oui, lui il est bien. Ah oui, du coup. En fait, ça c'est pour les gens qui aiment bien tout ce qui est fat. Ah oui, l'autre j'ai pas dit. Mais je mets un bon 9 aussi. Sur 10, je crois, attendez. Eh ben. Ah, le Santa Monica, je mets un 10 sur 10. Ça, c'est incroyable. Masterclass, là. Je m'en mets partout. Le Cancun, 9 sur 10. Ouais. Là. Attends, attends, attends. Là, on va écouter les frites de patates douces. Comme ça, pour les frites. Poutine. Après le gâteau. Un bruit sur 10. Pourquoi ça fait épicé? Ah, meilleur, si on voit quelqu'un, tu peux flotter. Pour pas déranger les gens. C'est un. Ça, c'est Aloco, je pense pas. Ça fait épicé. Ouais, ça, c'est l'Aloco. C'est pas cool, mais c'est normal. Du sur du fil, j'aime beaucoup ça. Le Cancun, c'est mexicain, donc normalement, est-ce qu'elle fait un mélange des deux? C'est bon? Aussi. Il suffit de cliquer le petit gâteau. C'est un test, mais c'est là où elle est. Et ça s'affiche en grand. Ça fait pas comme ça. Ça c'est le truc, je sais pas. Ah bah là. Là ça fait moins, ouais. Toi t'as moins, ouais. Du moins ça fait bien une spirale. On va peut-être voir. Ouais, c'est trop. Ça fait bien une spirale. Ouais, c'est trop. On dirait un mélange entre frites et des potatoes. Ça marche bien. C'est la même chose, hein. Mais bon, un bon 9,5 sur 10. En fait, le commentaire que j'ai eu, donc ça blague de fond en fait, c'était vraiment bon. Et pas si tu comptes pour moi, comme ça, 10. En bref, continue de manger, après, je vais dire que le dessert. Pour le petit dessert, hein, on a bien mangé le travail, comme il fallait. Et là, on a pris du petit bouton, un petit bouton en plus, voilà, pour le goûter. Donc là c'est le smoothie fraise banane, il y a de la chantilly et tout, mais ça fondu, c'est dommage. Pourquoi pas le mettre remis plus tard. Remis à plus tard, j'en sais rien, mais si vous savez, je crois pas. En tout cas, ça me proposait pas, donc si c'est pas remis plus tard, ben, c'est dommage. C'est le seul truc qui est dommage. Mais si c'est remis à plus tard, je sais pas vu. Enfin bref, pas du tout, pas du tout. C'est pas grave, hein. Pour moi, il s'est banalisé. Je suis désolé. Je mets un 7 sur 10. C'est bon, mais c'est pas un truc chiant. Moi je kiffe. Genre, j'ai l'impression que c'est pas un smoothie. J'ai l'impression que c'est plus un genre de yaourt, mais bon, que je la paille. Pas un smoothie comme. Genre, le smoothie c'est bien, genre, c'est plus bois. Et c'est fruit, tu sens bien les fruits. Mais là, on goûte beaucoup la banane, mais pas vraiment la paix. C'est ce petit truc qui est dommage. Mais bon, voilà, bref. Et là, on va passer
on va finir, hein, je l'ai dit. Et là, on va passer au petit tiramisu préparé à un tiramisu, c'est une farine au chocolat. C'est ce Nutella, ça a l'air incroyable. Tu vois comme ça donne. Donc ça conclut un peu plus. Ouais, on va voir. Donc, un bon 18 sur l'as pour la vérité. Très très bon. Après, c'est vrai, j'ai peut-être abusé sur les 3 minutes que j'ai mangé des burgers et tout. Après, j'ai pas fini les frites et tout, mais je l'ai fini avec chez moi. Donc, ce soir, quand je vous donne une autre chose. De toute façon, on est à fin d'après-midi, là, on est 4h soirée. Que je vais compter finir les frites quand je serai en train de regarder Netflix ce soir. C'est bon, je vais faire des petites débriefs juste après. Re les gens, donc on a testé Milly et franchement c'était incroyable. Là on se retrouve devant la place où il y a eu Gizzy ou un autre youtubeur, je sais plus. Vous verrez peut-être juste là, c'était qui était à cette place. Sinon, franchement, ouais, c'était Gizzy, yes, et un de ses amis, et youtubeur. Et franchement, non, c'était très très bon. Le seul petit démol, mais ils l'ont dit, donc sinon, il n'y a aucun petit démol en fait. C'est moi, c'est de ma faute. En fait, j'avais pas lu, mais il n'y a pas marqué pour l'instant remis à plus tard. C'est le seul truc, le seul petit démol. Mais ils ont dit, c'est parce qu'ils voulaient faire simple. Ils voulaient pas se prendre la tête au début, mais après ils vont mettre au fur et à mesure. Donc il y aura des choses qui vont changer ou même qui vont être mis, donc remis à plus tard, par exemple les glaces ou autre. C'est le seul truc qui est embêtant, mais sinon c'était très très bon pour moi en tout. Si je compte en tout, même la décoration, elle était incroyable. Je mettrais un bon 18 sur 20. Donc voilà, Michou, sois fier de ton restaurant, frérot. Hey, frérot, on peut dire que là, frérot, t'as charbonné, ça date pas d'hier. Non, mais bref, on se dit à plus l'équipe. Plutôt l'équipage, et salut! C'était Logan Secoul. Tchuss! Merci d'être venu. Alors, je vais vous dire l'équipe, ou plutôt l'équipage, tout ce que j'ai pensé en fait durant ces moments où j'ai mangé. Tout simplement les burgers ou les fillings. Donc le burger Santa Monica, vraiment une dinguerie. Alors le goût de la sauce, il est incroyable. En fait, c'est même la viande et tout qui est dedans, incroyable. Le Dakar, donc là c'est un fillings Dakar, franchement incroyable. Le combo en fait, je crois que c'est Dakar, on dit ouais, yes. Le combo, tout simplement. Banane plantain avec le poulet, incroyable, c'est une tuerie vraiment aussi. Et tout simplement, il y avait aussi le c'était quoi déjà l'autre? Ah ouais, yes. Et le Cancun, vraiment incroyable avec les nachos et tout. Le petit truc, la petite, le petit côté avocado, vraiment incroyable et franchement très très bon. Rien à redire à part que c'était excellent. Voilà.